travers le monde, Tosa Bongo, mardi 29 octobre 2024, Mbote. Nabayi Congo, so éparpillé, Mbote, Nabino, Bana, Congo, Pona Congo, Yabino, Manaka et Bandi, près de 10 000. Les Congolais pourront accéder à la retraite à la fin de cette année. Pesingeli Koyebake, 171 000 nouveaux agents basala qui mécanisés au cours il y a 3 ans. Oweti Koleka, Namozindo Mingi Penza, ministre de la fonction publique, Talisaki Bapourès, Oe Salemi sous régime Tshisekedi na Maimatali, prise en charge, il y a bah, fonctionnaire, il y a l'État, Nyonso Esilite, Solo, Kasimo Sale, Zaliko Salema, Nangamboana, Na Mwanamboka, Oyo Azaliko Kumbela, Masolo, Okuna, Esengel Kouéba, Kena Maimatali, débat. Autour il y a changement de constitution ba évêque catholique babima qui na silence na bango pona ko talisa que esengeli mobilisation générale les salema pona ko décourager initiative ya président Tshisekedi ya ko réviser to ko changer constitution ya mboka na biso un projet selon les évêques qui un projet selon les évêques dangereux pour la République démocratique du Congo. De l'autre côté, Bandekwa Lamuka, Bayebaki, Bongo ko lancer, Bongo mobilisation générale pour la côté les Mela Bongo les Kanisi. Il y a changement, taux, révision constitutionnelle. Mais pourquoi Batenyon se basali côté les Mela? Pourquoi FCC au lobby Andima qui ko changé, ko révisé tout d'abord en 2011, pe ko luka moyen ni ko bongo la constitution en 2016, lelo a s'opposé na likanisi yango. Tata mokambi ko loba keza constitution ya bapaya et salami pona bapaya et salemaki et pay ya bapaya. Pourquoi et singili to bongo la yango lelo, nous en parlons. To rejoint pe makanisi ya baike mon sous support depuis semaine dernière toujours so bande kopé ba sous sous kona ko kanisa sur cette question profonde o ezali kota la bongo mboka Congo. Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba effectua ki descente moko lelo na kitambo magasin wa pibisika akenda ki kota la personnellement kota la ndenge ba mesure o ezoma ki na Kinshasa pour na ko faciliter trafic ezali koza l'appliquer pe soki là et fongwani solo et singeli koyeba que ba mesure yango et zomaki ou ta kota ki en application ou ta lobby moleki. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous dans la ville province à Kinshasa? Est-ce que toza ko tambola malamu? Est-ce que esimbi to esimbi te to lobela yango na bande ko bazana biso sur ce plateau toza na mwana mboka Muza Kaembe wa zali bongo mwana mboka ya lisanga esidé moko ya ba soldat ya Martin Fayulu o azale ki même présent lors ya lancement ya campagne ya koloba non contre révision tout changement constitutionnel ndeko Clément Muza Kaembe mbote mbote maman mbote pe na ndeko yo to ko partager na ye débat politique mbote na bande ko so ko londa biso à travers le monde. Bakongomani, et c'est un anglais qui a salué moi tant et belé. Vraiment. Dans les qui ont eu mission T à cause de l'occupation politique. Vous avez dit que Moko, il y a résistant à SID, Baboma qui est le col à tabac. Il y a un siège national à SID. Donc il fallait qu'il colande la penza à Bakambouana. Et il fallait qu'il penza à Ndengo et Longobani. Dieu merci que soldats, pour policiers, mieux. Oui, à Salaki, le Kambouana, tribunal militaire, il y a Gombe, il y a garnison, condamné qui est Pesaki et Tumbu, où ils allaient à la hauteur, il y a crime, où il y a Salaki. Donc, c'est ce qui a fait que tous allaient un peu absents, et puis, tu reprendre pratiquement un procès sur l'affaire Nanga, parce que tu as une bandeko, au Baliba Congolais, au Bafunda qui bangona, le Kambo, bango ba ébité. Alors, tout ça, la ouverture sociale, procès, on a. Alors, nous sommes là qui est tout chapé, moi, ma canne ici, pour nous sommes là, baninga, bazalana, liberté, tout cause jugement au et solo. Donc, voilà pourquoi tout ça qui est absent. Sur terrain, tout ça qui est absenté. Parce que tout lancé déjà campagne au Yamoutouya et vous allez pour nous, au Ebi Makamambo, quand vous allez. Bon, bref, nous sommes là, nous sommes là.
Je pense que nous aurons un débat républicain. Très bien. Maintenant, Dominique Monamboka, Ndeko, Joseph Mbenza, Udepes, vous êtes avec nous sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. On apprécie Maître Pimbote. Je salue le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Ndolobi. Tous en phase beaucoup expérimentale dans la ville de Kinshasa pour voir comment on peut juguler les embouteillages. Bravo gouverneur pour l'initiative, na ministre provincial Bobamiso y a transport dans la ville province à Kinshasa, sans oublier que son excellence monsieur le gouverneur a lancé samedi construction à plus de 6 artères qui sont autour du grand marché à Zandou pour nous permettre ba congolais na ba congolaise ba kinois ba accéder facilement na Zandou, ce qui est une très bonne chose parce que c'est le plus grand marché et Afrique centrale. Bravo au chef de l'État et bravo à son excellence, monsieur le gouverneur, pour l'initiative. Voilà. Donc, merci beaucoup. Mais est-ce que l'initiative, il y a Kinshasa, circulation, ils ont fonctionné? Non, ils ont fait expérimental, mais normalement, déjà, bah, Kinoba, comment mais ça n'a malé, malé, mais parce que tu es vraiment des lupins, tiawa, pas trop des peines. Donc, parce que dans toutes les grandes villes du monde, il y a toujours des simulations comme ça. Donc, c'est une phase expérimentale. Même le vice-premier ministre, ministre de transport à Lobela Kiango, donc, coup de chapeau au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Très bien. Maintenant, Dominique Monamboka, Ndeko Clément Mouza, Kinshasa, fluidité, c'est bon. Est-ce que embouteillage est quitté après ma mesure et Jean-Maki? Je ne sais pas ce que Kinyo Baye Baraké Bazan est gouverneur. Je ne sais pas. C'est une ville ingouvernable. Bon, comme Bataille de Pesse Batigalagara n'a qu'à croire. Ils continuent à croire et ils vont continuer à croire. Est-ce que cette ville est gouvernée? Parce que lobby, jour expérimentation, Tolobaboué, j'ai quitté ma maison à 6h30. Il y a comme une ville 10h moins. Les lots, j'ai quitté à 7h. Je suis arrivé en ville, na Erni, 10h moins 10 minutes. Ça dit que je n'ai même pas eu le temps na na bureau na nga, na sala makambo na wao sala pour que na passer l'émission. Je suis pratiquement entre 10 km et 11 km à ville, à centre-ville. Bon, quel est le résultat de ça na ngosikoyo? Ça ne sert à rien ya kozela. Banzela eza te. Banzela eza yako kufa. Option oyo koki kozalake, osokoli potate o tchèque ici. Dites-moi, potero kaukandengeni. Les gens sont en train de rêver alors que nous avons des principes universels. Est-ce que Moutako l'ongwana sa mati nikolo, à Pumbwe? Est-ce que Moutoulolo kolo bake yé, a okufata o sekwa? On connaît qu'il y a un terme à la vie et c'est la mort. Comment Banzela eza te? Bakanivo ezate, nyoso ezate. Oyo opération nyoso zomona oyo. Kanga mkola lelo mama. D'ici un mois, deux mois, et osa ke ba détourner mbon. Oyo. Ezara ba kop pou na oyo. Kobimisa. Kobimisa mbon, ou peko liambon à l'état. Je vous dis. Ils ont lancé opération Kinbo Peto. Je suis venu ici dans votre plateau. Naibse ki ok, d'ici là, vous allez voir. On n'en parle plus aujourd'hui. Et oyo, basali lelo. Ce que les Kinois veulent. Où les Congolais dans l'ensemble, c'est la bonne gouvernance. Ce qui est bonne gouvernance, c'est d'aller que bah, rendre bah, infrastructure, nyoso, bah, perception, bah, infrastructure, bah, non, personne ne va s'opposer. Parce que c'est ça l'État. Mais regardez un peu, à part Kotamboula Naboutou, Kotala, qu'est-ce que le gouverneur fait? Il n'a rien fait, il est là, il est en train de y a contempler. Mais nous aurons à faire le bilan. Mais deux jours, t'aumônier sur terrain. Non, Kozala sur terrain, entendre voir, ça fait deux. Entendre voir, ça fait deux. Kino alingi amona yango. Ce qui te vendit to monique, batongi banzela. Dites-moi un peu. Oyo monika bamba reza ou koufeza. Baroyeb sabiso que non, malembe, malembe. Oui, et d'accord, malembe. Basala yango malembe, malembe. Tout ce que nous voulons, c'est que tu vivre quand même dans la condition où ezali malam. Oh, tu ne peux pas tous les jours dépenser carburant 20 litres pour la distance au salaire à 5 km. C'est pour bon, donc nous ne pouvons pas être prophète et à malheur. Nous, le peuple ne fait qu'attendre. C'est la nation qui n'attend pas. Le peuple attend des réalisations. Il y a Batu Oyo, il y a pouvoir Netibango.
Mais jusque-là, il n'y a pas ces réalisations-là, à part des promesses. Veuillons voir, nous sommes au deuxième jour, tous à la prophète de malheur, tous ces peuples que non, ah, écoutez, la formule qui a été appliquée, et ça, madame, ce qui est, j'ai observé, Kingasani, Batouazoua Makolo, à cause de l'embouteillage. Peut-être que Batoupe va me saluer à noter, peut-être. On peut dire ça. Mais je ne peux pas m'enorgueillir. Ndengebango, ils ont l'habitude. C'est avoir une pensée toujours aux Ali Mouto, disons, un esprit moutonnier. Parce qu'ils sont champions. N'a qu'à croire, peu dans ça la promesse. Voyons voir, entendre et voir ça fait deux, madame. Maintenant, Domingue, mon ambocato. Tout font la débat. Non, on peut son maloba. Non, on peut son maloba. Avant de débat, il faut réagir. Non, non. Tout font la débat. Zala calme, Kozano, agitez les lots. Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses. Je suis content que Nazalana, en face des membres de l'UDPS. Est-ce que je peux réagir? Tika, quand même, police à débat qui est de malam. Sur le côté de la thématique, on a déjà fait ses avantages, madame. On a pris ça qui au temps. Mais lui, il a pris le temps de dire ce qu'il avait dit, le temps. Moi, j'ai pris aussi le même temps. Vous ne respectez rien, même sur un plateau de télévision. Finalement, c'est l'habitude d'Abino. J'ai dit ici que je suis venu pour un débat citoyen. Respecte quand même ne fût-ce que la police et le débat. C'est la moindre des choses. Pourquoi vous agitez? Moutouaz en la police à débat, t'es dit, attends. Il prend encore des minutes. Non, je t'ai fait. Mais il dit que je dois être discipliné. S'il vous plaît. Écoutez, madame, je dois réagir aux propos qu'il a dit. Il a été mi-fig, mi-raisin. De l'autre côté, il nous tête d'esprit moutonnier. Vous croyez que je peux laisser passer ça? Jamais. Jamais au grand jamais. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa, il a pris la ville. Il est allé en jugement. Il a gagné le procès. On est allé en appel. Il a pris le gouverneur a. Avec des magistrats véreux, le gouverneur est allé bloquer encore ma compte, il y a ville, mais il se bat à curer de caniveaux, à draguer de rivières, et il se bat à lancer des travaux de construction de routes. Bravo au gouverneur de la ville, je dis c'est une phase expérimentale, ce n'est que ça. Ah bon? Mais oui. Kinshasa, c'est bon. Non, Banzelo, toujours levé là-bas embouteillage. Donc, c'était que ça, je voulais ramasser. Mais on nous traite des esprits moutonniers. Merci. Ce n'est pas respectueux. Voilà. Vous avez la foi que Kinshasa est bon. Nous sommes dans la gestion de la ville. Bravo au gouverneur. Il a pris le bâton de commandement le 3 octobre. Laissez-lui le temps de travailler. Le 3 octobre, c'est bon. Ça est bénéfice du doute. Alors. Ce n'est que ça. Est-ce qu'il y a un bon mimout? Donc, on a débat la bichon à mon conalelo. Maman, elle est cambrésola qui bongo révision au changement de la constitution. Te rappeler qu'il y a des cours. Augustin Kabouya, il bosse à Bahi, il de paix, salobi. Ce qui opposition est bimine à Balabala pour n'a qu'on manifester contre changement de révision constitutionnelle. Il de paix. Mais curieusement, Nakati Agnon Sacré silence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Baye Moussous va répondre à te? Je suis très curieuse. Il y a Royoka. Réaction à Vital Kamere. Réaction à Baat Lukwebo. Réaction à Jean-Pierre Bemba sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord sur le changement de la Constitution? Déjà, le président de la République a dit lors de son discours à Kisangani que. Constitution est salement na bapaya pour na bapaya. Constitution na biso ezako balana te na ba réalité ya mboka. Ndeko Joseph Mbenza mutuna na ngai. Ba réalité nini ya mboka oyo constitution ezako balana te. Topé depuis 2006 stilelo 18 ans après ba réalité nini évolué je senga que bo simba peut faire évoluer. Je salue tous les policiers qui sont en train de nous suivre dans le quartier général à la police. Mon frère Pascal Kalamba, en place aux Zambote, Pascal, journaliste Mnene Nabiwan. Madame, l'avantage, la bisson à IDPS, nous nous assumons. Vous comprenez? Nous, quand on porte un projet, nous nous assumons. On n'a pas besoin d'aller chercher à gauche, à droite. Si les autres vont emboîter le pas, libre à eux. S'ils ne vont pas aussi emboîter le pas, libre à eux. Qu'ils soient de l'opposition, bien, la Catalogne sacrée. Nous, nous sommes UDPS, nous nous assumons. Ici, je salue l'honorable Socrates Mobengaï, qui soutient la démarche du chef de l'État et du secrétaire général Augustin Kabouya, que moi je soutiens et que tout l'UDPS soutient.
Madame, ici c'est idée politique contre idée politique, projet politique contre projet politique. C'est ça. Nous avons dit révision, il y a constitution, à quand échéant, changement constitution. Mais c'est à eux de venir nous dire leur contre-projet. Il ne suffit pas seulement de refuser pour refuser. Avant votre mission, madame, vous venez de citer à la place publique, le monde entier a suivi ce que le chef de l'État fait par l'entremise du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Voilà des exemples éloquents depuis qu'il est au pouvoir sur l'administration publique. Ma tête en pogno, il quitte le pouvoir, Joseph Kabila quitte le pouvoir, ils nous ont laissé 384 000 agents non retraités dans l'ensemble du pays, ici, en République démocratique du Congo. 220 000 UNP, vous venez de citer quel chiffre de gens qui sont aujourd'hui mécanisés, pris en charge par le Trésor public. 10 000 retraités, 10 000 nouveaux retraités laisseront à la fin de l'année. Et ce n'est pas encore fini. Voilà ce que notre régime est en train de faire. La réforme sur la retraite. Bravo à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, un retraité le plus bas à 8 000 $ déversé à la CNSAP, cela n'est jamais arrivé dans ce pays. Quand il arrive à la CNSAP, il est pris en charge toute sa vie. Voilà ce qu'une république a donné charge à son excellence, monsieur le président de la République. Qu'a quand même pouvoir, aujourd'hui à Kinshasa, la zone économique spéciale de Maluku implantée, des gens sont en train de trouver petit à petit du travail. Qu'a le même pouvoir, il y a construction, moi j'y étais il y a 2 semaines. Nous avons des opposants qui ne se pavanent que sur les plateaux de télé ici à Kinshasa, 200 km de route de rocade. Toutes ces populations oubliées par tous les régimes, depuis même l'époque coloniale. Félix est arrivé, moi j'y étais, vers le quartier Kimbuta, sur l'avenue Nzolana, du côté du pasteur Ngalassi. Quel chantier extraordinaire! Les gens y travaillent de 7h à 22h. J'étais à la frontière entre la commune de Mongafoule et la commune de Kisenso, et la route de la paix. Je suis passé vers Sekomaf. Mais ces gens ont souffert. Tous les régimes les ont oubliés. Certes, il y a des problèmes structurels dans le pays. Mais ce qui est fait par ce régime, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, mes frères qui sont Sud-Kivu, transitaient par le Rwanda pour entrer sur Bukavu. Mais aujourd'hui, la construction de route Kamanyola, Bukavu, la route qu'on appelle Nyengezi de 55 km. Vous ne répondez pas à ma question. Non, je réponds. Je réponds à tous ces opposants. Quelles sont les réalités? Il y a beaucoup qu'on a bu chez Zobal à la constitution. Mais j'en arrive. J'en arrive, madame. J'en arrive, Tokéi. Oui. Dans la tête de tout Congolais, tout ce qui ne marche pas, c'est sur la tête de Félix Tshisekedi Tshilombo. En fait, dans le fort intérieur de Kinois et de Congolais, nous sommes dans un régime présidentiel. Déjà, c'est sociologique dans la tête des gens. D'où? Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Tout tombe sur la tête du président de la République. Voilà les raisons. Deuxième raison, nous avons tous décrit ici le mode scrutin à suffrage indirect des sénateurs et des gouverneurs. Tous nous avons décrit ici sur vos plateaux de télé. Oyez bien moi, madame. Ton décria, il faut passer de 2 tours à 1 tour. Ici, sur vos plateaux de télé. Tolobango, aujourd'hui, nous sommes dans une république où certains d'entre nous ne peuvent jamais être jugés par aucune juridiction dans ce pays. Ici, j'évoque M. Kalouba, qui évoquait que Matata Mpogno ne peut pas être jugé ici. Et le procureur, après la cour constitutionnelle, s'exclama, il n'y a que le bon Dieu qui peut juger Matata Mpogno dans ce pays. Il y a des dispositions dans cette constitution. En partant de l'article 202 jusqu'en 217, il faut qu'on réforme les mots. C'est aussi simple que ça. Les dispositions de l'article 4, même les dispositions de l'article 10 de la constitution sur la nationalité. À cause de la mutation sociétale, on a plus de 15 millions de Congolais vivant à l'extérieur, nos frères et sœurs, qui doivent bénéficier aussi de cette nationalité quand ils rentrent chez eux. Madame, il y a des fondamentaux, mais l'article 218 confère l'initiative de la révision et de la modification au Deus ex machina, c'est le président de la République.
Yunani. Parce qu'on l'a dit soutane. Parce que tu t'appelles membre de l'Essido Lobake. Non, sous Félix, il n'y aura pas révision ni modification constitutionnelle. Yozanani, de quel droit? Je mets tous ces opposants des plateaux de télé à Kinshasa qui nous disent quelles dispositions qui empêcheraient le président de la République de modifier, de réviser la Constitution. Je vais encore plus loin, madame. Très loin même. Et ça n'a pas tout bas au Loba. Et je salue le secrétaire général Augustin Kabuya. Nous sommes dans une phase idée politique contre idée politique, projet politique contre projet politique. Vous comprenez, madame? Le président de la République a cette latitude. Le gouvernement réunit en conseil de ministres. Bazan a latitude, voilà. 100 000 Congolais va signer pétition. Bazan a latitude, voilà. Une des deux chambres du Parlement, avec une quotité bien déterminée, un quota bien déterminé. Bah, qui peut qu'occuper sur cette voie-là? Mobutu en a révisé combien? 16 fois. Laurent Désiré Kabila a son petit décret de 18 articles. 3 fois, Joseph Kabila une seule fois. Mais comme il a sous tour à Félix, les gens passent sur le télé, sur le plateau de télé, de dire qu'il y était, il y était. C'est que Moutonio soit quoi, il y a Simba Constitution. Mais s'il y a nécessité, mais pourquoi pas? Parce que la Constitution elle-même prévoit mode, il y a révision, là, y est. C'est des pratiques politiques, même jurisprudence et alliés. Mais mon tu n'es autour pour la nini bokanisa qui a un mandat à bino à mi balete. C'est quoi? C'est Kawa Botikali presque na 3 ans pour tout ce qui est na élection en 2028. Et qu'on au bino ni la 2025. Et qu'on servi au bino ni na 2025 par exemple, tous ont peut-être la moitié de l'année pour vous changer constitution. Est-ce que ça va servir à l'IDPS? Que vise réellement ces projets de changement de la révision constitutionnelle? Que vise ça? Mais la protection des 100 000 Congolais, des 2 300 410 km². Madame, Waneza, excusez, hein, ce n'est pas pour vous manquer de respect. Mais il y a des fois, vous relayez les analyses. Il y a des opposants comme une question sur nous. Sur nous. Pourquoi pas premier mandat, pourquoi pas deuxième mandat? Et je poserai la question, pourquoi pas au deuxième mandat? Quelles seraient les réponses? Mais mon tout ça, pourquoi? Boyaka quand la idée de changement de constitution, le deuxième mandat. Mais madame, pourquoi devez-vous nous empêcher ça? Est-ce que vous croyez que vous pouvez assimiler Joseph Kabila à Félix Tshisekedi? Mais lui-même, il en était clair à Kisangani. Est-ce que les opposants ont un problème d'écoute? Il dit révision, modification, nous pouvons en avoir l'initiative, mais le changement, ce n'est pas moi. Même son interview avec Christian Lissakweno, il a été clair dans ses propos. Sikoyo, vous voulez nous empêcher, pourquoi? Très bien. De quel droit? Madame, de quel droit ils ont? Ils ont le droit de dire non, nous avons le droit de dire oui. Mais au fini, ce qui va départager? Le peuple. Mais oui. Maton Domingue Molamboka, tous en décoya opposition, de Kalamuka, Obango Baza, déjà sur terrain pour mobiliser la population et dire non à ces projets du changement de la révision constitutionnelle, maître Clément Moussa. Pourquoi la Moukaza pour s'opposer à la démarche, il y a pouvoir, il y a pour modifier, donc changer la constitution? Ok, merci beaucoup, madame. Je ne sais pas bien, c'est un débat des intellectuels maintenant. Il faut tout éclairer. Population n'a besoin. Il n'y a pas seulement la Mouka, le parti politique est cédé, Oyazo Boya, révision constitutionnelle, le changement de la constitution. On comprend que Bazala qui a un ballon de seille, l'UDPS. Bazala qui a là, et qui a été là. Mais Toza est belé. Il n'y a pas seulement la Mouka. Il n'y a pas seulement une idée, bah, parti politique, ils allaient belé, les mouvements citoyens, ils allaient belé, la société civile, Bazali. Et même l'Église catholique, la Cinco. L'ensemble de notre peuple. Moi, j'ai eu le temps, au premier jour de ce discours, il y a un petit confort dans la Moutouka, pour que nous tombions dans bus. En tout cas, j'ai senti que 98% de la population Bazo s'est prononcé déjà, avant même que nous puissions parler. Pourquoi Toboyi initiative il y a Ndeko Tshisekedi na lisanga na ye I2PES? Vous allez vous rappeler,
communiqué à Liboso et Yaki Zalaki à Mwanamboka Kabuya. Ce qu'on a communiqué à Yewana en liminaire, il a parlé de la révision constitutionnelle. Ce qu'on a dit à Fonango, notamment en alinéa 3, il parle du changement de la constitution. Comment? Alobi, ce qui papa était Tshisekedi, paix à son âme, notre héros, que j'ai toujours considéré un héros parce que je me suis battu avec lui pour la sauvegarde de la démocratie dans ce pays. Ce qui peuple a pessibiso confiance, tout au zongé la constitution. C'est écrit comme ça dans les cours. Namboko yo, peuple azola nanga à travers le monde entier. A ça, ça la confiance na yu de pèse. Dans le monde entier, le peuple congolais a ça, ça la confiance dans l'UDPS. La réponse, Moutounio Sako au PSAM. Nous avons une constitution au Lelo et unir les Congolais. Une constitution solide. Toko permettre à l'UDPS de la nation en péril. Toko permettre à l'UDPS de nous n'allons pas accepter la proposition de M. Félix de changer la constitution. Maman, dans le moment où vous allez pousser à pousser, vous êtes artiste, vous êtes joueur, vous êtes sportif, nous allons faire bloc pour défendre la patrie. Et ça, architecture démocratique qui a Congo, Oyo Félix Alinga détruit en quelques minutes. C'est l'article 219 de la Constitution. C'est l'article 220 de la Constitution. Voilà ce qui est dit. Bah, Congolais, bah, soit, soit, bah, salabi soit venture na guerre. Et que vous salim à Kambomongo, bah, yokani quelque part, pour que bah, Congolais, bah, koufa, pour que les Rwandais nous prennent le pays. Ce Congolais qui ne connaît pas aujourd'hui que le pays est en train de partir tous les jours. Nous sommes aujourd'hui à plus de 125 localités entre les mains des supplétifs des Rwandais, les M23. Boui bien ou bien, boui bien ou bien. Vous savez, Congolais, aventure. Alors, le pays n'est pas en guerre. Voilà ce que dit la Constitution. Je ne vais pas aller dans les détails. Oh, yokewana, to salinzela, to saliboy, to sal. Est-ce que vous n'avez pas honte? Tous les jours depuis 6 ans, vous ne parlez que de ça et le peuple ne voit rien. Pourquoi nous avons sonné? Je vous comprends. Et dans le cas où nous avons un vélo, à ces cas-là, vous avez besoin de demander. Peuple, maman, article 19, c'est bien de dire que nous avons droit, oui. La constitution elle-même a prévu une révision constitutionnelle. On posait question à yo. Nous avons commis l'intelligence des temps pour la République démocratique du Congo. Nous devons en avoir. Intelligence, il faut nous allons pour nous cannabis sur la lobby. Pour nos enfants demain. Pour la République démocratique du Congo. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de siège, de guerre, virgule. Aucune révision. Je suis en train de vous parler d'abord de la révision. Ne peut intervenir pendant l'état de guerre, virgule. L'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Mais nous avons la constitution, nous avons la honte. Ça, c'est la loi fondamentale. La loi des lois, ou loi nion suezana moka. Il faut et se conformer à la constitution. Vous lisez ou pas? Vous posez une question fondamentale. Motivation, les amis. Pourquoi? Quelle est la nécessité? La constitution vous dit, pendant que tu as la guerre, beaucoup qui ont modifié en côté. Beaucoup qui ont révisé en côté. Alors, bino, bozo sala. Kouluna ou bien besoin de la guerre.
Maître Moussa, aux Amoï Mibeko, Tata Mokambi Kolo, Alobi, dans le discours, il y a urgence. Il y a eu balé à Alobi que, Alobi, il y a eu changé, Alobi, il y a eu ta commission. Maman, il y a eu réfléchir. Pourquoi tant autant de choses? Il y a eu un débat avec l'intellectuel. Non, je vous donne un argument constitutionnel. Oyoke, si nous étions sérieux, on ne peut même pas en parler. Non seulement que nous sommes en état de siège, nous sommes dans un état de guerre. On ne peut même pas réfléchir. Non, attention madame, ça ce n'est pas une réflexion. La loi des lois interdit. C'est une interdiction. Mais c'est mon ça, on a droit à réfléchir. Mais c'est une... Tant que nous avons dit qu'il faut revenir dans l'eau. Ça dit que dans le moment où il faut changer la constitution. Cette commission-là existe déjà. Même si on a qu'il y a 2025. Tout ce temps, il y a 2025. Oui. Il faut finir avec la guerre en 2025. C'est dans 2 mois. Non, madame. Ce n'est pas de la responsabilité. Il y a bisous au peuple congolais. Il y a qu'on dit que violation de la constitution qui est à niveau. Pourquoi? Vous suivez les informations et la ligne de front. Lui, de l'UDPS, il peut nous dire si on a déjà réussi à avoir même 1 centimètre. Yeah. Ces débats, nous avons suivi ça à l'Assemblée nationale. Tout de suite, aux yeux, à 1 centimètre. C'est là où nous devons nous organiser. Et le Koyamou, tout y a autres, comment récupérer nos terres dans le meilleur envahisseur? Comment nous pouvons nous organiser autour de nous debout pour que nous puissions nous battre contre l'agression? Vous ne faites pas la guerre. Et dans ces pays, alors, il n'y a pas l'état de siège. Mon cher ami, on vous laisse le temps de réfléchir. Mais la constitution étant la loi des lois, donc défendre en haut, voilà sur base, sur pied de l'article 219, on ne peut pas vous permettre de réviser la constitution. Je pèse bien les termes. On ne peut pas vous permettre. Pourquoi? Les premières conséquences commencent à arriver. Nous sommes jaloux de cette République. Hein? Tout ça, très très jaloux de la République. Mais si on se dans la nationalité, mi balété. Il y a peut-être aux anneaux déjà angolais. Aux appels congolais. Mais si on se bas congolais. On n'empêche pas aux gens d'avoir 2 nationalités. Ceux qui combien, on n'empêche pas. Mais nous devons tous, comme congolais, être jaloux des acquis de ce pays. Et vous pensez Papa, que vous pensez que Mouto ya kwe ya kana mai basobe na gishasa kabasele boko kwe ya na mai. Nous allons défendre cette constitution parce que tout ça le makambute pour na ko sepeli sa mutu. Qu'est-ce que nous avons de haine au ekoroza la contre M. Tshisekedi ou contre l'UDPS? L'UDPS c'est un parti qui s'est battu, nous nous sommes battus avec eux pour la consolidation de la démocratie dans ce pays. Monsieur Félix, nous nous sommes battus avec lui. Et ce qu'il a dit hier, aujourd'hui, il n'est pas dedans. C'est comme ça qu'il a même abandonné le peuple d'abord. Comme l'article 219 l'interdit, c'est-à-dire que là où Kabila nous a laissé avec la balkanisation, sur l'article 219, on a 3%, alors Bino Bomemibiso déjà, on a 70%. C'est incroyable! Et je suis très inquiet. Il y a comportement, il y a élite congolaise. Très inquiet. Je suis très inquiet. Je fais partie de cette élite. Vous voyez que même aujourd'hui, les professeurs ne parlent plus. Même les professeurs, les grands professeurs. Moi, je suis de l'école du professeur Djelo Epengé. Je suis de cette école-là. Moi, na ayo kaka, conseil à papa. Moi, je suis un conseil à papa, je suis un conseil à papa, je suis un conseil à papa, je suis un conseil à. Donc, sur base au serment ou sur pied de l'article 219 de la Constitution, nous n'allons pas vous permettre. À moins que, vous avez un conseil à na Rwanda, vous avez un na M23, vous avez dit que notre conseil à moi aussi là, le 31 décembre. Allez, j'ai fait une commission pour vous réviser la Constitution. Mais si vous êtes dans un état de guerre,
Personne ne peut vous autoriser. C'est de la logique. Merci. Même Bino Moko, Bobunda Komba, comment vous avez perdu pédale comme ça? Très bien. Ma tante, hein? Ma tante, vous perdez ma cambounion sur vos amis. Non, personne, personne et alors personne. J'ai lancé cette campagne-là à Tchang. Nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté. Il n'y a pas nécessité. Librement, nous allons faire bloc. À votre question sur M. Augustin, mais l'article 26 de la Constitution, et puis c'est liberté à manifestation. Il peut organiser manifestation d'Engalini. Mais ayate parce que les autres veulent organiser. S'il vient, nous connaissons Batouyaï de Pes Baza combien. Nous connaissons Batouyaï Sidé Baza combien. Nous connaissons Batouyaï Ensemble Baza combien. Mais le peuple congolais, tout ça combien? Merci beaucoup. Même l'administration publique Madame ne connaît pas. Domingue, moi, Mboka, réforme constitutionnelle. L'abbé Donatien Cholet à Félix Tshisekedi. Qu'il n'écoute pas ses collaborateurs, qu'il ne voit pas plus loin que leur ventre. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Ok. Wanesa Maloba. Il y a Abbé Cholet. Il y a 5 ans. Ndeko, Mbenza, Nazongila. Qu'est-ce qui va se passer ce qui Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba bat le Kwebo, bah, grand classique, Mosusu. Il y a Union Sacrée, bah c'est de solidariser la Makanis Nabino. Il y a pour changer constitution. Est-ce que Félix Tshisekedi a zoké ni nakoko et là-bas même derrière auto l'obéir à Kabila en 2016? Na répondre. Malobombo kaya. Bah comme les bois témoins. Je me suis même ennuyé, maître Abandi Koloba. Il a même pris plus de temps que moi, maître Alobi. C'est ça la réflexion de l'ECID. De ces micro-partis politiques ECID. Qui n'est que d'ici, quartier 3, Nachangu. Et puis, et bien, comme Asbel, dans le monde, on a quitté le palais, Martin Fayou, les avons à Pembeignoana. Et puis, c'est mieux dans le parti politique. Ça, c'est le micro-parti ECID. Représenté par maître ici. Je suis perdu. Madame, la Constitution peut connaître une mutation sociétale. Donc, la mutation sociétale peut pousser à la révision, à la modification de la constitution. Moi, j'ai des arguments politiques. Même son changement. Des pratiques politiques, madame, de la production doctrinale ou jurisprudentielle, peut pousser à son évaluation, peut pousser à son changement. Denis Essang a leur ami. Il passe dans tous les médias, même étrangers, à l'objet. Plus de 40 articles doivent être touchés. Sur 229, moins 40, il vous reste combien? C'est un opposant qui l'a dit. Juriste comme vous. Bon, bien que lui aussi ayant un parti, micro-parti politique. Donc, Bino Moko, en fait, Nazo comprend de tes maîtres. Moi, je croyais que sur le plan, il y a doctrine, sur le plan, il y a jurisprudence, sur le plan, je voulais entendre des arguments d'un juriste parce que moi, je suis politologue. Nous, en politologie, ce sont des faits, des principes. Mais maître ne m'a pas rencontré sur des principes. Moi, j'ai taillé des articles comme ça. Lui, il évoque l'article 219. Bien bon, je vais vous rencontrer. Mais madame, vous savez que l'Assemblée nationale peut prendre l'initiative d'élever l'état de siège sans l'autorisation du président de la République. À quand échéant, en cas de besoin. La Constitution prévoit même... maître... Laissez-les, vous avez beaucoup à apprendre. S'il vous plaît. La Constitution prévoit elle-même comment on peut lever l'état de siège. L'état de guerre n'a jamais été déclaré, maître. Nous sommes dans la science. Si l'état de guerre avait été déclaré par les Deus ex machina via le Congrès, j'aurais tenté d'aller dans son sens. Mais il n'y a pas une déclaration de guerre, maître. Donc l'article 219 que les CID évoquent, dans leur façon de réfléchir, ils ont un côté. La disposition de l'article 218 tient. Le seul, le premier, la constitution, le seul, les deux ex machina, c'est le président de la République, à l'occurrence Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que vous rencontrez un gars, c'est Chole qui parle. Chole, il est qui dans ce pays? Il a plus de droits que moi? Parce qu'il porte une soutane? D'ailleurs, sa place, en réalité, avec ses déclarations, c'est en prison.
Comment ça? En prison pour avoir fait quoi? Mais c'est lui qui a prédit Malanga dans ce pays. Vous avez oublié? Au sorti des élections. Madame, je vais aller plus loin. Le régime n'a pas de problème avec l'église catholique. Et l'église catholique non plus. Mais c'est des individus qui portent des soutanes. D'ailleurs, pour votre information, le pape les a raboués ici. En leur disant, j'ai trouvé une église qui n'est pas trop spirituelle mais charnelle. Parce que vous êtes derrière des politiciens. Vous avez vu Moïse Katumbi, Kilote Babouche recevoir des évêques. Monsieur le maître, je vais aller plus loin. Je le fais une déclaration. Que Yoka, révision a modifié, n'a changement, ce que Salami, ils vont mobiliser le peuple. En bon? Et le président Tshisekedi a la responsable et a nié ce cocôme. On s'en fout des propos de M. Cholet. Il n'est pas plus congolais que nous parce qu'il porte une soutane. Qui vous dit si vous êtes prêtre catholique, vous avez plus de droits que nous? La même église catholique qui a soutenu les deux PES. Hier, on est au salle à 50-50, disait... Nous étions dans les fondamentaux. Madame, nous étions dans les fondamentaux. C'est après 2016. Mais les fondamentaux d'une république sont là. Vous avez déjà suivi un régime faire face à l'église catholique et résister? J'ai dit, il n'y a pas une église catholique qui fait face à l'UDPS ni au régime, mais c'est des individus qui sont en acquaintance. Vous avez oublié que... Monsieur Mbongo, cardinal de son état, mais il a enchanté la famille Kabila. Oh, c'est extraordinaire, vous avez fait des merveilles. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la république? A-t-il posé la question à Madame Olive, comment ils ont eu ça? Et c'est lui qui s'attaque. Mais M. Mbongo encore, il a adulé M. Paul Kagame, il a un grand leadership. Vous voulez qu'on y aille loin? M. Mbongo accusait même la République à Goma. Que tout ce qui arrive ici, ce n'est pas le Rwanda, c'est le gouvernement congolais. Nous sommes au courant de beaucoup de choses. Madame, pour aller un peu plus loin, nous savons qu'il y a des réunions qui se tiennent en Belgique et qu'il y a certaines personnes qui vont financer certains prélats de l'église catholique pour donner l'argent à certains mouvements citoyens. Ah bon? Nous sommes au courant de ça et nous allons y faire face. Idée contre idée, politique, projet contre projet. Si vous voulez mobiliser, nous allons mobiliser toute la République aussi. Mais je ne peux, le Congolais ne peut pas compter sur les CID. Les CID, c'est quel parti dans ce pays? Madame, je vous dis ceci. L'article 218 vaut son pesant d'or. Moi, je dis ceci, madame. Je me mets au défi qui disent aux Congolais s'il peut être gouverneur ou non qu'il voulait aujourd'hui. Parce qu'il dit cette constitution nous a unis. D'un œil politologique, si vous voyez cette constitution, il y a ce qu'on appelle la résurgence des forces centrifuges. Dans cette constitution, par les ETD et le démembrement de la constitution, cet effet de quelle manière? Quel était l'objectif? Est-ce que lui, moi, Muyombe que je suis, je peux être aujourd'hui gouverneur au Kasaï? Si c'est oui, tu me le dis par quelle disposition de la constitution? Parce que ça consacrait déjà ça. Que pour être gouverneur, il faut être du Kasaï, président de l'Assemblée provinciale du Kasaï, ministre provincial. C'est ce qu'on vit. Mais la constitution dit que le Congolais, là où il est, il doit se retrouver, il doit se sentir chez lui. Mais il y a dichotomie, il y a différence. Nous voulons d'une constitution, madame, qui consacre le régime présidentiel. Donner plus de pouvoir au président. C'est mieux pour nous, parce qu'il y a aujourd'hui les responsabilités sont partagées par cette même constitution, mais les gens continuent à coquiner la présidente, pas problème. Mais faut toujours dans le contexte, oui, ça les maquis qui est tout comme un assemblée présidentielle. Contexte nini, madame, tu peux pas appeler ça sous mettre par exemple la zoom sur sous la 5 cm. Lors des discussions, il s'est posé un problème majeur sur qui peut postuler comme président de la République. Il y a ceux de Congolais qui ont repris la disposition de l'article 7, il y a constitution Zaïre. Qui disait quoi? Pour être président du Congo, il faut être de père et de mère d'origine. Mais c'est Roubaix, ouais, sa bande, et j'ai suivi aussi Nyarugabo, qui est aussi le temps contre le changement bien révision constitution, dit Makambango Talié. Talabato, il y a révision constitution bien changement. Barouande, Batou SID, Église catholique, était certains prêtres catholiques. Non, prêtre était ma monseigneur. Parce qu'il y a des vrais prêtres. Hein? Et puis voilà. Le Rwandais s'oppose à notre constitution. Le camp Kabila, le camp Fayoulou, le camp... Je suis en face, ils peuvent quand même parler. Mais je ne veux pas m'occuper de Chadari parce que sa place aussi, c'est en prison. Oh. C'est un prisonnier en bilan. Pour avoir fait quoi? Madame, Naloba.
Raymond Tshibanda, c'est un prisonnier en bilan. Donc, hé, l'homme là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu. Madame, je l'ai dit au début. Est-ce que tu sais que d'accord? Je l'ai dit au début. Kabila Koyaki. Je l'ai dit au début, nous nous assumons en tant que UDPS. J'ai vu le vieux Mbosso emboîter le pas. Ça dépend de soi. Ce qui va y être, nous allons nous assumer jusqu'au bout. C'est ça l'UDPS. Nous ne sommes pas là pour attendre. Si ces partenaires viendront, je dis ça dépend de soi. Mais s'ils ont leur agenda, ça c'est leur problème. Mais ici, moi je défends l'UDPS, je ne défends pas l'Union Sacrée. Je défends la position du parti présidentiel qui est dirigé par Augustin Kabuya et je défends les propos du chef de l'État. Madame, tous les Congolais, bon, maître Assali, son âge n'a yé, pas n'a yé. Mais c'est, est-ce que vous avez fait la République? Abia Kotina Biskota Tchango. Là où il habite, là on le connaît. Son âge n'a yé. N'abattu n'a pas où est. Madame, il y a nécessité de réviser ou bien de changer la constitution. Très bien. Maton Domingue, mon amboka, yamboto joa, question à souka, maître Clément Moza. Et si des aïe qui voit putain Joseph Kabila na régime na eba bongola qui ba révisa qui constitution la 2011. Madame, pourquoi vous refusez le lot na tiseke de Simba constitution? Est-ce que vous au banga qui atika na? Nous allons vous dire. Bon, je suis en face d'un politologue, Ndengeye Alobi. Vous savez, qu'il s'agisse de la Bible, il faut savoir lire les contenus de la Bible. Le problème avec vous, vous ne lisez pas. Vous pensez que Yangonde Fouessalama. C'est ça votre problème. Beaucoup si Congolais tellement mingi que, bon, que Congolais timbeli bino boleki l'okuta. Parce que nous sommes bien pas à bino bataille de pèse d'argent l'okuta. Au Royaume, ça n'a été logo moko bino boloba et salama bongo zate. Depuis que vous avez la passerelle du pouvoir, zate. Si vous boutique magambo ya l'okuta, vous comme bamitoman. Ça dit faire croire aux gens que au bino bozo linga, bozo loba et zaya solo. Non, moi non, le bien avec moi le lendo nyoso. Oui, je savais. C'est parce que vous n'avez pas compris, vous êtes en train de réfléchir. Moi, j'aime bien réfléchir à la toilette, pas dans une douche. Vous êtes en train de réfléchir dans une douche? Parce que lorsque vous dites, Ezo bimana mouno konayo, Tozan la guerre était parce que l'état de guerre n'a jamais été déclaré. Deux, lorsque vous dites que Bakoki ko levé état de siège à tout moment, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous ai dit que Boyokana Ebosa la Koulou Nana M23, c'est de l'intelligence des temps pour la République. Qui ne sait pas que bah, député Nyonso ya Kivu, grand Kivu, mais ils sont dans des combines avec vous. L'état de siège au Botchaki, Oyo Lelo, Bango Baza Libanda, Binokuna Bovote, Bango Baza Libanda, qui ne sait pas que c'est un jeu? Bon, ben, Bango Na Simanda, que vous négociez avec eux, en une minute, vous allez lever l'état de siège. Ah bon? On connaît! J'ai déjà dit ça plusieurs fois. C'est vous qui n'avez pas. Vous en arrêtez à y a compréhension. Parce que quand je t'ai dit que vous allez Kuluna, vous n'avez pas compris le message politique que je vous ai donné. On sait que ça se passera comme ça. L'état de guerre. On sait pourquoi Félix Tshisekedi n'avait jamais déclaré la guerre. On sait pourquoi il n'avait jamais fermé les frontières. On sait pourquoi Akata, relation diplomatique, était avec un pays agresseur. Monsieur le politologue, vous connaissez. Définition, il y a acte d'agression. Est-ce que Yébini n'est pas un acte d'agression ou Yébité? Quand vous lisez la charte des Nations Unies, vous ne trouverez pas là où on définit l'acte d'agression. Il faut chercher une résolution des Nations Unies. C'est la résolution 3314. Et vous allez voir qu'au propre et au figuré, de par tous les actes, la République démocratique du Congo a été agressée. Par conséquent, il est en guerre. N'ayokiango pas moutaï de Pessar et Tosan a guerre. Parce que vous n'avez jamais déclaré la guerre. Et que tout en a guerre. Donc, vous vous êtes arrangé pour ça la Kuluna, binona M23, et à un moment donné, vous retrouvez solution pour Yokana. Vous avez des accords que vous avez signés alors. Pourquoi besoin de Kolaba Congolais? Pourquoi aujourd'hui dans ce pays, on est à près de 8 millions de Congolais qui sont réfugiés dans leur propre pays?
Nous avons dit que nous la guerre. Mais matin, midi, soir, nous avons monté en puissance de l'armée. Ces déclarations sont graves. Et le peuple congolais ne peut pas approuver ça. Ok? Il y a un plateau de télévision, au nom de l'UDPS, on va déclarer la guerre, donc tout ça la guerre. Vous prenez cet argument où? Vous amusez avec les Congolais? C'est quand même extrêmement grave. Moi, je connais ce parti parce que j'ai combattu avec Nabango. Lorsque vous décidez d'assumer, c'est tout à fait logique que vous assumez. Et vous êtes toujours dans cette arrogance-là. Vous pensez que vous êtes un super parti politique. Mais le peuple ne vous a jamais fait confiance. Vous savez que vous avez reçu ce pouvoir-là par un braquage électoral. Vous le savez. Mais ce qui est le Monique et Sidez Ali, micro-parti, comme vous le dites. Mais il y a un adage qui dit, petit à petit, vous pouvez continuer. Donc, parti Ekoïgobo Tamamouke et Kokola, aujourd'hui nous avons grandi. Ça, on peut te le dire. Aujourd'hui, nous sommes l'espoir du peuple congolais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, toquer élection, Dieu merci que la Constitution interdit le troisième mandat. Vous voyez, M. Félix me battre aux élections. C'est toquer élection, Lélo. Pour avoir fait quoi au pays? Social à Bakongola, Bongisi. Gouvernance intégrée, Namboko Yali. Hein, Deko? La cohésion nationale existe encore? L'intégrité territoriale. Même pas un centimètre du pays récupéré. Nous avons besoin de la guerre. Et ça sort de ta bouche. Ça sort de mon nom, un membre de l'UDPS. C'est très dangereux. Vous n'aimez pas ce pays. Vous n'aimez pas ce pays. Donc, vous s'organisez dans Koulouna. Oh, c'est grave. Je t'ai donné un argument de droit. La Constitution l'interdit. Dieu merci que au Soukikar en état de siège. Aucun moussikate par rapport à la guerre. Mais nous avons plus de 125 localités au Ekelelo. Ça vous fait, ça vous dit quoi? C'est pas une guerre? Allez lire la résolution 3314. Allez lire ça, parce que moi j'ai ça à cœur. Nakogiko Bandiro Banda, Likolo Tinasuka. Malheureusement, il y a Monsieur Zanalingala. Sinon, j'allais te détailler la résolution 3314. Donc, vous minimisez cette agression. Voilà pourquoi nous disons que vous conduisez la balkanisation au Ebanda et pas à Kabila. Mais nous continuons parce que vous êtes dans la séciparité. Revenons à ma question, mais alors, Clément. Bonazonga. Ce n'est pas la première fois que la Constitution a révisé ni changé. Madame. Mais pourquoi cette fois-ci? Madame, les principes, il y a révision et la Constitution, ils sont constitutionnels. Voilà. Nous devons partir sur le principe. On sait l'initiative peut venir de qui? C'est dans la Constitution. Nous ne nous faisons pas une résistance sur le pouvoir. Nous faisons une résistance dans les pouvoirs. Yozo politologue, tu connais ce que ça veut dire. Si vous ne connaissez pas, je t'ai dit. C'est-à-dire que nous sommes respectueux de la Constitution et des lois de la République. Les principes prévus. Toyebi même initiative et Koriko Outawa. Ce n'est pas là le problème. Aujourd'hui, le pays est en guerre. Il n'y a aucune nécessité. Vous avez suivi la déclaration, il y a M23 par exemple, pour ne prendre que eux. Bato Bazan Abitumba na Congo. Au Bazo occupé une grande partie. Vous allez voir d'ici là, M. Kamel va faire une déclaration. Parce qu'aujourd'hui, c'est chez lui à Walikale. Hein. Il va faire une déclaration. Aujourd'hui, vous savez que vous, là, de l'UDPS, qu'il s'agisse de votre secrétaire général ou de M. Félix Tshisekedi, qui peut aller à Lubero? Qui peut aller à Rutshuru? Qui peut aller à Masisi? Vous avez la télévision de l'homme à Makamboyo, au lieu d'unir les Congolais, au lieu de défendre la patrie qui est en danger, vous venez, vous dites vraiment facilement comme ça que toi, on a vu sur la bitumbade. Au Salakuluna. Madame, ces principes-là, ils sont constitutionnels. Vous avez vu que vous avez posé la question sur la nécessité. Pas de réponse. Je vous ai dit, ce n'est pas l'urgence. Je vous ai dit qu'au terme de l'article 219, la situation que nous vivons maintenant là, une révision de la Constitution et vous yandez au Kabolamboka. Au bazar la Mindou qui loco la bango. Balobi que ceux qui vont changer ta virgule, biso to salinini, to déclarer étant indépendant. On doit prendre ça au sérieux. Si vraiment to lingamboko, il faut to zango sérieux. Bah, je menace la République. Non, on menace la République parce que la République a signé des choses que nous ne connaissons pas. Quand un membre de l'UDPS vient, aïe aïe, monsieur, que nous, on a la guerre, tu ne peux pas déclarer la guerre. On ne va pas aller trop loin. Mais comment quelqu'un congolais peut dire ça? Non, je suis complètement perdu.
Heureusement que ça ne peut venir que de l'UDPS. Parce que pour Nabango, les pouvoirs pour le ventre, les pouvoirs pour le pouvoir, personne ne viendra ici pour parler le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est récupérer nos territoires entre les mains de l'envahisseur. Merci beaucoup. Alors, pour te dire que le principe étant là, opportunité exalité. Le col a opportunité exalité. Et ils vont mobiliser les gens de l'UDPS. N'engalobina arrogance naïe. On s'en fout. Et je suis fait quelque chose que je voulais. Alobi, mais Ambongo pouvait. Il fallait pas kangaye. C'est. Disons comment il a utilisé les termes. Moukouaza libre, mais c'est un prisonnier libre. C'est ce langage-là a été prononcé par M. Fumoto tout au long d'une émission avec lui. Alobi, Maître Mouza, yo, Maître Mouza, Maman Chantal, Epengé. Vous aurez déjà prisonnier Tibo Tambolarawana. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un jeu. Vous avez déjà prévu le mécanisme pour anéantir les Congolais qui parlent. Mais un problème, t'es. Nous allons nous battre pour notre pays. Aujourd'hui, on cite le nom de Lumumba à cause de son combat. On cite le nom de Tshisekedi à cause de son combat. Nous allons citer Binonani. Avec ce que vous venez faire ici pour le pays. Beaucoup, et moi, venir ici, on le bat non. Bah, déclarer nous guerre tête aux la guerre tête. Très bien, Maton Domingue. Tout ce que je pouvais faire, les Akina Kangabilo Gonanga, je me suis dit, je me bats pour rien pour ce pays. Bah, tu vas en accord, Nabonga Koulou Nabaobunda, et je me bats pour rien. Mais parce que je suis dans cette lutte-là comme un Congolais, vous devez vous ressaisir. Nous allons vous obliger à vous ressaisir qu'on ne joue pas avec la nation. Très bien. Maton Domingue, mon ambokato, zoa, motuna ya souka, poto, comme ya souka, pe, ya ma kanisia, mokuna, l'autre bandeko, kabouana, bino, ni kambo, itali. Justice, ya mboka, nabiso, alors que tout ce qui est vers les états généraux de la justice, observatoire des dépenses publiques, a ébiko, publié quelques projets financés par l'État entre 2019 et 2024 et a été entaché de corruption et dont l'auteur ne sont restés impunis. Programme il y a 100 jours. Programme projet à rame ou redevance des appareils mobiles. Projet à station forage lampadaire. Projet à réhabilitation et à bavoirie de la ville de Kinshasa ou zéro trou. Projet à construction et à arène à Kinshasa. Autant de projets. Mbongo et Bima, Kasi, Misala et Salemate. Dirons-nous que 6 ans après la prise du pouvoir, le régime Tshisekedi a combattu suffisamment de corruption et détournement. Puisque, ils ont un classique. Il y a pouvoir et notamment bah oui mon sous soit na kata de pèse malobombo carré madame je ne suis pas responsable de l'ignorance des gens de membres de l'UCD en tout cas ça ici je vois Tsunzu qui a parlé de la science de la guerre et de l'art de la guerre dans la constitution parle de l'état de guerre ça suppose quoi moi je croyais que maître vous me décevez en... bon je ne veux pas non, vous utilisez mon pour le respect que j'ai pour vous. Je parle de l'essayer dans l'ensemble, mais je ne peux pas m'attaquer frontalement vous. Êtes dans un débat politique. Mais non, pas respect. Vous ne faites pas les respect. Vous êtes dans un débat madame, politique. Madame, si vous continuez à dire que le pays n'est pas en guerre, madame, je préfère emballer mes soeurs et partir. Si c'est l'UDPS qui doit dire que le pays n'est pas en guerre, avec tous les Congolais qui sont en train de mourir, c'est de la blague. Nous sommes agressés, ça c'est vrai. Écoutez, madame, allez-y. Il y a une guerre de fait. Et il y a état de guerre. Mais à Yébik, on a juridisme, on a besoin de la constitution. Pour que le Congo soit en guerre, il faut qu'il y ait une déclaration. Pour que déclaration, il y a une procédure. Le Conseil supérieur de la défense, le haut commandement militaire, le Conseil de ministres, Nazokenoki, et puis le Congrès du Parlement, et puis le président déclare la guerre. C'est en ce moment-là que l'article 219 est 800 Nango. Mais je suis étonné. Voilà les idées. Ici, j'évoque Sun Tzu. Ici, c'est idée politique contre idée politique, projet politique contre projet politique. Je suis dans ça, maître. À l'essayer, vous n'avez rien. N'enfonçant encore le clou. Vous nous prenez comme qui de Congolais? Ben, qui n'a réforme sur le Conseil supérieur de la République. Et moi, quand on a disposition ni la constitution, dites aux Congolais. Ou alors, qui n'a moins torché la bino à papier. Qu'il faut réforme. Est-ce qu'on réforme maintenant? On peut à ma disposition à la constitution. Parce que vous voulez donner des leçons à l'IDPS.
Je vais vous donner ça tout de suite. Eh, hey, Pessa, Balomba, il faut que Martin Fayaz soit la présidente du Haut Conseil de la République. Si vous avez dit congolais, disposition constitutionnelle, ils ont fait sa réforme, ils ont ma casse. Dès qu'il me donne, je te donne. Hey, il faut le bas. Et puis je vais vous rencontrer pour montrer les limites de l'idée. En termes d'analyse, en termes de projet politique et idée politique. Madame Tokéi. Mais maître, je ne suis pas encore responsable encore de l'ignorance de l'ICD, que tous les accords bilatéraux ont été suspendus par le Conseil supérieur de la défense. Vous n'êtes pas au courant avec le Rwanda. Toqué encore. Pourtant, madame, laissez-moi laisser ma ambassade à Rwanda. Non, attendez, j'en arrive. J'en arrive. Il accuse tout l'équipe. Bon, bah député Nyosa Kivu, voilà. ICD le bien, Bino Pebozaba. Je les accuse. Je confirme. Il a intervenu trois fois dans ma prise de parole. Donc, ça montre le niveau, il y a C, il y a SID, il y a IDPS. Voilà, voilà, l'IDPS et le CID. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Madame. Et puis, il donne une information importante aux Congolais que Kamere va faire une déclaration. Nous ne savons pas. Donc, Kamere, il y a un Martin Fayulu. Il y a une déclaration qu'à la minute. Nous avons décidé, nous avons bien un plateau. Le Seiché Kabuya. Et l'IDPS, on nous a donné une information précieuse aujourd'hui. Que Kamere fera une déclaration sortie de la bouche d'un membre de l'ICD, peut-être Bakoutalaka. Oh, mais Kamere est le vôtre. Kamere, nous prenons ça en considération et nous prenons acte que M. Kamere fera une déclaration contre nous sortie même de la bouche des membres de l'ICD. Ce qui nous a dit, il y a UNC à l'équipe à tel lobby, a démenti Makambo, nous allons prendre ça en considération. Parce que dans le moment où nous allons le CG Kabou est en train de suivre l'émission en direct. Et tous les membres importants de l'IDPS. M. Kamere nous a trahis. Oh. Voilà, nous avons décidé de nous en haut. Il fera une déclaration contre nous. C'est grave comme conclusion, mon amour. Toke disous. Madame, bon, tu es ma cambo. Il y a combien de temps comme Floribert Nani? Oui, il y a le bien, il y a Odep. Ça va procès déjà qu'à la main, ces messieurs. Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux ces messieurs? Je suis contre les antivaleurs. C'est que Dieu est mort. Nazoya, comprenez, je suis contre les antivaleurs. Je n'ai jamais soutenu les détournements, ni la corruption. La forme ignose. Mais ma cambo, comme on est Floribert, je crois. Mais, attends, la procès dans RPTCT, il y a qu'un procès. Amène-nous des preuves que tu as dit que ces gens-là sont payés. Ici, je salue Madame Lydio Manga, il y a un procès contre ce monsieur. Il doit dire à la justice où est-ce qu'il a pris ces éléments-là. Nous salons que salir Kakabatu Kakaboué. À salir pouvoir pour rien. T'es dans le bi, dans le bi, RPTC. Alors, deuxièmement, place dans mon aise à sérieux. Alors, tergiverser entre salaire, il y a un député, ça peut varier, c'est peut-être. Dans ce domaine, on ne parle pas de peut-être. Moi, je suis pour la dénonciation. D'ailleurs, l'IGF fait mieux. Je salue monsieur Jules Aninguette, il fait mieux le travail que ces messieurs. L'IGF établit des rapports. C'est pour la première fois que dans un régime, il y a des dénonciations. Ce n'est pas suffisant. Moi, je suis de ceux-là. Que si tu voles, on te met en prison. Qui que tu sois qui. Dénonciation, ensuite. Mais déjà, c'est important. Parce que nous avons vécu dans ce pays dans la loi de l'omerta. La loi du silence total. Mais aujourd'hui, les voix s'élèvent. Pour parler lampadaire, pour parler forage. Bravo. Bravo. Des gens sont protégés. Yangon a lobby, il faut la logique et qu'un des Timoussika. Maintenant, pour notre état généraux et la justice. Mais c'est là, c'est la volonté du chef de l'État et de son excellence, Madame la Première Ministre, d'amener le Congolais à ces états généraux de la justice pour que la justice puisse réparer les torts dans la société, qui n'est pas une justice de puissants et une justice de faibles, une justice de grands et de petits. Parce que nous voulons une république. Je vais donner un cas. Il y a des détournements par-ci, par-là. Mais on a créé beaucoup de jurisprudence, par exemple Mata Tamponio. Mata Tamponio, président au cours constitutionnel, il ne peut pas être jugé. Président et procureur après la cour constitutionnelle, il dit, mais c'est quoi? Ce n'est que le bon Dieu qui peut juger Mata dans ces pays. Vous voyez l'importance, il y a une réforme importante.
C'est pour moi ici l'occasion de saluer ces états généraux pour nous mettre à l'abri, nous tous, même pour attirer de plus en plus des investissements, même pour le climat des affaires. Maintenant, vous avez la pensée idéologique et tshisekedisme dans mon banango, est-ce que vous avez mes Madame, il y a des instruments pour ça. Il y a la Cour de compte, il y a l'IGF, il y a je crois la CNRF ou bien CNRF. S'il était vivant, il serait non, fier. Non, attendez. De, il serait fier attendez, de l'IGF. Attendez, Yoka Bavancé, c'est sous Félix que c'est là où il a été activé. Non, je dis, on je dis la question. Nazoya, Nazoya, répondre. L'état de droit. Nazoya, l'état de droit. L'état de droit, c'est une culture civilisationnelle que nous tous nous devons nous en approprier. Nous tous, nous avons besoin de ça. Dans l'écart entre l'idéal de l'état de droit et l'effectivité, il y a un travail à faire de nous tous. Gouvernant comme gouverné, dans la dénonciation, madame. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec dénonciation vous. Dénonciation et sanction et... Yango Tsuko Tozo Seng, la justice, ici, je salue le procureur près la Cour de cassation, M. Firmin Vondé, qui est un procureur de haute facture. C'est à vous que revient la charge de chercher des infractions et de mettre tous ces criminels économiques, criminels de sang, criminels de guerre dans des prisons. Parce que je connais votre valeur, je connais votre dextérité. Très bien. C'est là le travail. Donc, pour la justice, je ne suis pas UDPS. Pour la justice, je suis Congolais et que je veux voir mon pays, que l'état de droit s'installe. Mais il faut des bons juges, des bons procureurs, de bons magistrats, même des bons avocats. Merci. On a aussi un problème au niveau des avocats. Je sais que maître, il défend les faibles. Ça, je sais. Mais il faut aussi des avocats. Oyo, oui, que le lobe avocat mettre entre parenthèses, binope bosunga, bisote ba avoke belé na biyote. Mais, aux un problème de la justice, il est faible, mais il a raison. Mais l'avocat coopère avec la partie qui est puissante et il y a trahison. Attends, donc, tout ça aussi, on doit intégrer. Très bien. Maître Moussa, vous avez suivi quand même enquête P. Moussala Bandeko, il y a défense de l'Observatoire de dépenses publiques, publié qui sur le détournement et salaire sur le régime Tshisekedi de 2019 à 2024. Est-ce que Bino Loko la Baye au Bozak se réclamé parce qu'on a un fils idéologique qui a tata et à Kondo et Tshisekedi Tshisekedi? Vous retrouvez quand même Kondo dans la gestion gouvernance et IDPS? Merci beaucoup, madame. Je demande à mon frère Joseph Yago se calmer. Tu es bien que Bino Bolingite Batuba Loba contre les pouvoirs pour les pouvoirs, contre les pouvoirs pour le ventre, il y a eu de peste. Kamere reste un grand leader politique dans ce pays. Ok? Le feu est dans sa maison. Il parlera. Il est seulement, non seulement un leader national, mais il a une maison. Le feu est dans sa maison. Voulu ou pas, il parlera comme tous les autres ont parlé. Vous voulez m'empêcher à le battre pour Nani? Ne venez pas avec des intimidations dans le plateau de la télévision. La politique, c'est une compétition des idées et des intelligences. Ah ouais, le bilélo que Mbokeza n'a guère été parce qu'il va déclarer guère été. Vous n'avez jamais suivi les discours de M. Félix dans New York? L'état de guerre. Vous savez, il a répété ça combien de fois? N'a pas su au devoir à domicile. Vous n'avez jamais suivi la déclaration et toutes les interviews, il y a porte-parole, il y a gouvernement, Nabino. Vous savez, à chaque interview, à reprendre un état de guerre combien de fois? Ne venez pas avec un discours, il y a ça, il ne faut pas venir avec ces discours-là ici. Ok? La constitution est claire. Si vous n'avez pas voulu, et vous venez vraiment vous vanter dans l'Olendonio, ce que non, accord bilatéraux, tu supprimes, il y a un Rwanda. Mais vous gardez les relations diplomatiques? Hein? Vous regardez la frontière ouverte? Et vous dites que... Non, mon cher ami, vous êtes dans un couloir organisé. Comme vous l'avez dit. Mais nous pensons que le pays est occupé. Nous pensons que le pays est agressé. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de militaires rwandais ici en complicité avec le Congolais inconscient. Voilà pourquoi nous nous battons pour activer l'article 63 de notre Constitution qui dit ceci.
défendre la patrie, c'est un droit et un devoir sacré. Nous voulons que Binobo comprenne que c'est un droit et c'est un devoir sacré. Nous devons tous se déployer. Voilà pourquoi, en tout moment, nous allons reprendre la cohésion nationale. Nous avons besoin de ça. Si vous le refusez aujourd'hui, c'est comme de l'eau. Demain, vous allez l'accepter? Retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Bissot Roussel a arrogance était. Et nous ne ferons jamais la compromission pour la cause de la nation. La nation est en péril. Nous devons donner des propositions. Et nous avons mis une proposition sur la table. Je suis étonné que vous avez la même surprise que nous avons mis une proposition sur la table sur la cohésion nationale. Oui, effectivement. Nous avons commencé depuis 2019. Vous n'avez pas écouté. Quel est le résultat aujourd'hui? Est-ce que, à la question posée par madame la journaliste, vous pouvez citer un seul ministre de l'UDPS qui n'a pas été cité dans les détournements depuis 6 ans? Vous le connaissez? Un seul. Vous pouvez me citer un seul ministre de l'UDPS qui a gouvernement pendant 5 ans et qui n'a jamais été cité dans les dossiers à corruption? Il vous a cité des choses ici. Vous avez donné les montants pour nous. Qui s'agisse en Bougimaï partout à travers le pays. C'est le scandale. Toi, tu ne connais pas que Namboka ou Lampadaire, Bateka yango na montagne, paye mon anate. Yo sans membre à IDPS. Est-ce que yo au Yokate, au Monate, au Landa déclaration te, que Maya Libulu Namboko et Bachango na facture $295. Maya yango paye mon anate. Tout le bate. Et sur l'ingolo babi wanaza papa batouti kaye. Toti kibinoti. Mais si vous me mettez en cause, le peuple n'est pas avec vous. Il n'est plus avec vous. Vous avez fait croire aux gens que vous étiez vraiment un parti de masse. Oh, il y a quand même, non, dommage. Vous avez une illusion. Vous êtes encore dans les idées. Il y a Étienne Tshisekedi. Persona Makenda. Vous êtes complètement dérouté. En quoi est-ce le peuple n'est plus avec vous. En quoi est-ce que Félix Tshisekedi est différent du fait Étienne Tshisekedi? Mais qu'il parle du peuple d'abord ici. Ne fût-ce que ça. Toute sa vie, ce monsieur se battit pour l'état des droits. L'état des droits implique quoi? Vous allez nous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un état des droits? Vous allez nous dire qu'aujourd'hui nous sommes dans un état où règne la cohésion nationale? Vous allez nous dire que nous sommes aujourd'hui dans un état où il y a eu l'indépendance de 1960 avec près de 125 villages et qui sont comment on appelle ça, localité. Écoutez, l'UDPS on a un combattant à Bango, ce n'est plus l'UDPS au Tosan Angolo. L'UDPS au Tosan Angolo, c'est l'UDPS pour les ventres d'abord. Ce n'est pas l'UDPS où nous avons un charismatique qui se battait pour le pays et qui s'est battu jusqu'à la dernière minute. C'est les ventres d'abord là-bas. Tout ce qu'il est en train de dire ici, c'était les gens ici. Et ça, pour nous, qu'il y a un débat, ça y a quelque chose à la poche. Tous ces projets au bazo initié, c'est pour avoir l'argent. Il serait incapable de me citer en 5 ans un ministre de l'UDPS qui n'a pas été cité dans le Bible Coran. En quoi ils sont différents avec Kabila? Et ça filme aussi total. Quand la maman, quand elle a eu ça, et ça filme aussi total. Et ça, là, qui est Mema, Kapangala, Namabele. Et ça, là, qui est Mema aussi. Namabele. Total a déjà filmé en haut. Toyebi bactère au bazar a filmé. Toyebi peut filmer n'est rien de soukaka. Donc vous avez un moyen pour les cater na filmer au bisou de Total. Total a déjà filmé la révision constitutionnelle. Total a moyen le peuple est alerté. Nous continuons tout benga peuple nyonso. Soyez mobilisés. Nous allons lancer des manifestations conformément à notre constitution sur toute l'étendue de la République. Et vous, comme vous avez promis, que bien on peut vous organiser au même moment, mais mais nous, nous disons par contre, pour la cause de la République, il faut continuer à se battre. Et ceux qui ont eu pour sauver la République en danger, vous allez nous rejoindre demain. Ou vous allez rejoindre le peuple demain. Donc, aucun de nous moussikate. Quand tu dis que Maître Clément ne comprend pas, oui, j'accepte de comprendre. Mais ce que je dis là, vous serez toujours en difficulté aux yeux de l'opinion pour effacer ça. Merci beaucoup. Ok? Pour nous répondre en 2 minutes sur ta question. Vous pouvez poser une question sur les états généraux. J'essaie d'argumenter. Je vais vous dire tout simplement ceci. En 2015,
Il y a eu six ans pour la réforme et la justice. Et nous avons un plan de réforme jusqu'en 2026. Maintenant qu'on parle des états généraux, et même ils ont déjà dit que la justice est malade. Moi, je suis un professionnel du métier. Ok, je connais les méandres. Et je peux affirmer que nous avons deux problèmes aujourd'hui, de sérieux problèmes. Mais je ne vois pas ces gouvernements. Je ne vois pas ces gouvernements trouver des solutions. Il faut trouver des solutions populistes. Mais dans les concrets, il n'y aura pas de solution. Merci. Donc, beaucoup. Pour conclure, je vais vous dire tout simplement que madame, ce que l'on n'a pas, vous êtes à tout Boukamba. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas Boukamba. Ndeko Josephine Beza, que retenez de votre passage sur ces plateaux? Déjà, y a-t-il une différence entre le tshisekedisme et le fascisme? Vous êtes de quel bord? De quelle idéologie? Félix, vraiment. C'est un tshisekediste comme moi. Nous ne sommes pas de l'école des fascistes. Lui et moi, nous sommes des camarades du parti, nous avons un même père spirituel politique, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais deux mots. Les Congolais, bon moni maître Azaki incapable, qui réforme la bango au Conseil de la République, et ça n'a pas agencement juridique, n'a pas côté même constitutionnel. Donc, bango pe bazaye na kata violation déjà constitution. Deuxièmement, le terme peuple, il n'y a personne dans ce pays à quoi que ça trouve le peuple. Parce que c'est un terme, il y a un politologue, où on a quatre nangos contenus. Il y a la majorité, la minorité et le neutre. Ce qu'on a dit, on a balancé, on a basé, belé, on a monté. Voilà le terme, il faut que l'on ait militant, on a sympathisant. Ce que bison a bino, on a couteau, on a boité. Voilà, merci. C'est la fin de l'émission. Vous savez, ces derniers temps, je me pose des questions. Pourquoi papa Étienne a comment raté est-ce que son idéologie, tout ça, bon, je pense que non. Soit mon tomora zaki n'a pas n'aroyé ba ni ne penda l'obara ni nakani sake. Émission ici. Invité nganga mon oribs. 37 ans de lutte et la question bolumbo yamboka, il n'y a rien. C'est la fin de l'émission. On se retrouve prochainement. Et merci à maître. Au revoir.